Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la découverte du jeu Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Donc, avant toute chose, avant de me faire incendier, je tiens à vous dire que... les données de campagne ne sont pas à jour, t'es chargé, dernière donnée, c'est plus... pas maintenant. Je tiens à vous dire simplement que je ne connais absolument rien à Jojo's, donc j'ai le jeu de Jojo's, je l'ai reçu extrêmement à l'avance, enfin si vous suivez mon Let's Play G-Star, vous savez quand est-ce que je l'ai reçu. Je vous fais une petite vidéo découverte dessus, hein, le jour de sa sortie, tranquillou. Je vais vous présenter un peu le mode histoire, ce qu'il y a. Donc en gros, dégage. Donc donc en gros, il y a plein d'arcs. Je sais pas, dans l'anime, je crois que c'en est au troisième. Donc au Starburst Crusaders. Donc il y a Phantom Blood, Battle des, je sais pas quoi. Diamond is Unbreakable, Bento Oreto, Stone Ocean, Steel Ball Run, etc. Donc en gros, il y a 7 arcs dans le jeu. Donc l'anime est grave en retard, hein, je sais pas, enfin en retard je sais pas vraiment. Mais en gros il y a beaucoup plus d'arc que l'anime. Donc en gros ce jeu risque de vous spoiler taquet. La campagne, je sais pas vraiment ce que c'est. Et apparemment faut télécharger un truc sur le store, donc voilà. Donc là on va faire du versus hors ligne. Donc joueur vs IA. On va tester un peu les persos, etc. Donc j'ai pas tous les persos, j'ai pas vraiment beaucoup joué encore. Donc voilà. On a Jonathan Joestar. Donc on va tester des persos car j'ai fait ma petite enquête et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Jotaro. Donc on va jouer avec Jotaro tout simplement. Et on va se mettre contre Jonathan Joestar parce qu'il y a que lui que je connais. Avec Joseph. C'est tout. Donc en gros voilà. Donc il y a les maps des différents arcs. On va en prendre une au hasard. Voilà, on va à la prison tranquillou. On va faire des petits combats tranquilles et en espérant que cette découverte vous plaise. Donc le style de VS là pas trop mal l'écran quand même, je dois avouer. Alors, lui par contre chargement un peu trop long. Alors, par contre, en fait, ce qui pose grave problème dans ce manga, j'insulte pas le manga, mais en fait, ah putain, je ne comprends rien déjà comment on joue, c'est vraiment pas mon style de jeu, genre Street Fighter, etc. Mais en fait, ce qui me pose problème dans ce manga, c'est déjà le style de dessin que je n'approuve pas vraiment particulièrement. Et en plus, enfin je sais pas, les persos on dirait des gays, sérieux. Donc du coup, j'approuve pas trop dans ce genre de manga. Donc après, au niveau du jeu, je peux pas vraiment expliquer l'histoire, etc. Attends, après, faut regarder la liste des commandes. Le horé, 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 horé. Attends. On va voir ce qu'il a. Une seule inspiration. Bon, attends, toc, 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 toc. On va essayer ça. Hop là. Hop. Ah attendez, il y a des petits bruits de fond. Voilà. Oh j'ai fait le truc. Hop là. Hop là on attaque, on va refaire un combo et c'est bon qu'il passe en entier. Bah non, ça passe pas en entier. Oh. Je ne sais pas jouer, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis une grosse merde à ce niveau-là. Hop là. Ousse. Hop là. Il revient ici. Donc là le. Par contre les animations de ce jeu, je dois avouer qu'elles sont magnifiques, hein, pour ce niveau là. Hop là. Oh merde. Et bah voilà, il m'a mis KO. On s'est fait défoncer, hein. Je ressens la pulsation de la vie. Bon. Allez, on va refaire le combo dès le début, hein, vu que... Voilà. Que voilà, tout simplement. Hop là. Hop là. Oh. On fait n'importe quoi, coller touche, des fois ça passe. Et des fois ça passe pas.
Mais attends, je crois que je peux l'amener. Voilà. Oh là 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 là. Et voilà. Je sais pas vraiment ce qui se passe en fait, je comprends rien à ce que je fais. Je suis pas du tout le mec qui joue à ce genre de jeu hyper méga technique. Oh là, j'ai fait une de ces esquives monstrueuses que je n'ai pas fait exprès évidemment. Allez. Moi je vais essayer de vous montrer à peu près tous les persos que j'ai actuellement. Oh putain. Ça fait mal quand même. Il y a pas une... Hein? Pourquoi j'ai été payé? C'est sérieux? Attends. Ah, il est sérieux à spammer comme ça. Bon, tant pis. On s'est fait défoncer. C'est pas grave. Bon. Victory. Pour l'autre. Donc, ouais, encore un trophée. C'est pas vraiment le genre de jeu que je kiffe à donf, pour être honnête. Mais, voilà, ça, avec des potes, ça peut passer. Bon, après, c'est sûr que quand vous êtes en kiff sur le manga, vous devez être en kiff sur le jeu, mais... essayez de voir les persos. Ah, bah, y'a Dio. Dio, là. On va prendre Dio. On va se battre contre Joseph. Joseph Joestar. Oh, on va changer de map. On va se mettre ici, ça a l'air un peu classe. Par contre, la musique du menu, je sais pas où, mais ça me fait grave penser à Naruto, en fait. Hein. Ça doit être le même gars qui fait le menu, en gros. Et au passage, petite anecdote. On a eu, enfin, le jour de sortie du nouveau One Piece a été dévoilé, ainsi que le Naruto. Donc le One Piece il sort le 27 juin, donc évidemment le 27 juin vous aurez le let's play du nouveau One Piece, voire un concours, car je suis en train d'essayer de voir avec le manager de Namco Bandai pour voir si je peux avoir des gens en plus pour vous les faire gagner. Et puis voilà, en gros tout simplement, car pour les vidéos, pour les 5000 abonnés, putain j'arrive plus à parler. Je n'ai pas fait grand chose en fait, et du coup ben j'aimerais bien vous remercier vous remercier de regarder mes vidéos en vous offrant des jeux. Et on verra bien ce que ça donne, mais normalement je pense qu'il devrait pas y avoir de problème. Hop là. Mais il fait des trucs chelous Nanda, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il veut? Akusantarayato. Hop là. Non, oulala, je ne comprends rien à ce que je fais. Abaranogoro. Voilà. Yo. Oh, j'ai fait un truc de fou là. Comment j'ai fait? Ouh. Hop là. Ah, oh, c'est le gars. Oui, bon, attends, on se calme. Non. Oh putain, non. Il m'a tué. Il va y avoir que des défaites dans cette vidéo découverte, un truc de fou, mais bon. Je baisserai peut-être le niveau de l'ordi tout à l'heure. Et ça va, il a commencé. On se calme. Viens ici. Ah. Hop là, hop là, boum. C'est ça les gars. Ah bah on a fait le combo, non tiens. Oh purée. Ok, il recommence avec... Putain de... Ikiz. Putain... Nanda. Oli. Wow, 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 c'est quoi ce combo là? Wow. Wow, 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 wow. Et franchement, l'animation elle est folle, hein, c'est vrai. En faisant n'importe quoi, j'arrive à faire des trucs. Hein. Quand même.
Ah non, tu vas pas me battre après ce que je t'ai fait quand même. Oh putain. Ah. KO. On l'a fait du KO, le Joseph. Ils prennent tout le temps des poses bizarres là, je comprends. Je sais pas, c'est chelou. C'est complètement chelou. Hop là. Et apparemment, on m'a dit que la nouvelle saison de Starbucks Crusaders, qui a commencé en anime il y a pas très longtemps, elle était énorme. Donc j'ai peut-être commencé à regarder, mais j'ai franchement du mal. Je dois vous le dire. C'est quand même. C'est quand même spécial, j'ai envie de dire. Hop là. Hop là. Voilà. On continue à frapper. Boum, boum, bam. Allez. Finish it up. Hein? Ça, je sais pas vraiment ce qui se passe là. Ça doit être en rapport avec l'histoire, mais vu que je suis pas vraiment l'histoire de Jojo, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Bon, t'arrêtes de me taper avec ton marteau là, c'est ça. Oh, mais t'es sûr? Dois-moi. Je fais n'importe quoi avec mes flèches. Et j'ai perdu. Et j'ai complètement perdu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un petit combat. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'à part des petits combats comme ça, je peux pas vraiment vous montrer sans vous spoiler le jeu après. Donc voilà, donc en tout cas, si vous voulez acheter le jeu sur internet, je vais mettre un lien Amazon qui sera dans la description. Et si vous voulez acheter le jeu sur Amazon, bah, y a juste à cliquer sur le lien qui est en dessous. Et vous pourrez vous acheter le jeu. Donc on va essayer de prendre un perso assez stylé. C'est une meuf ça? Bah vous savez quoi, on va essayer de prendre la meuf parce qu'il me paraissent un peu bizarre les autres là. Donc lui c'est je sais pas qui prendre sérieux parce que je les aime pas les persos. Donc lui son nom il ressemble un peu à mon prénom, donc on va essayer de le prendre. Tenue normale, on peut pas baisser ça. Tant pis. La claire résidence de Dio. On va faire ça. Toutou. Allez, c'est parti. Cette fois, on doit gagner. Bon, c'est une meuf assez baraque qu'on a quand même, hein, mais c'est. On verra bien. On verra bien ce qui nous attend. Elle est même complètement moche en fait, pour être honnête. Mais... ils sont tous complètement moches à part Jotaro. Putain. Part de baseball. Oh putain, c'est trop bien ça. Oh. Hop là, merci. Kishimata. Hop là, merci. Bim bim bam. Mais je sais même pas ce que ça fait ça. Cette espèce de truc qu'on a mis derrière là. Comment il a fait ça? Hein? Non merde, peut-être que je recule, je crois. Hein? Oh, il était classe là. À part qu'il a des boules cheloues en face du front. Ah putain mais. Barre de baseball. Je kiffe les. Bim. Oh. En fait, dans le fond, il est quand même pas si mal ce jeu. Hein. On peut vraiment bien se marrer entre potes. Ça peut... qui c'est lui? Ça peut être pas mal stylé. Ah, ça va.
Voilà, je sais pas vraiment ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On a gagné. D'accord. Elle est un peu folle, ce mec, quand même. C'est pas grave. Non, on vient ici. Mais va là. Oh là là là, batte de baseball. Oh là 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 là. Thank you, da. Et si là on le pousse dedans, à mon avis, il faut qu'on fasse ça. La sauce que ça fait. En fait, j'aimerais bien avoir la ligne des commandes parce que. Stand au sol. Compétences, freeze, coups spéciaux, etc. Avec une file immédiatement après avoir monté juste vers le bas. Ah, ok. Le stick go vers le bas. Ah, c'est vrai. Ouais, en fait, je sais pas, c'est. Je comprends absolument rien en fait. On va continuer à jouer comme on l'a fait depuis tout à l'heure là. Ah, mais ça a fait un truc là. Il y avait un truc noir qui est apparu ou je sais pas quoi là. Aïe. C'est tueur dans le regard. Dans ton regard. Hop là. Ah là, il y a mon truc là qui est avec moi là. Bah, il était là depuis le début, je crois même. Attends. Voilà. Bah, excusez-moi, je fais toujours le même combo, mais c'est-à-dire que je connais que ça en fait. Oh, tata. Stand up. Ah non. Oh là. Mais non. What? Putain, on se fait la masse de trophées dans le jeu en vrai. J'en ai déjà gagné plein en jouant comme ça à la vite fait, mais. Ah putain, ça commence. Je me suis fait. Ah non, c'est moi qui l'ai défoncé. Allez. Allez. Allez, il faut gagner. Oh putain, mais c'est pas vrai. Allez, j'ai mal au pouce. J'ai le hockey. Oh là 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 là, j'avais fait un truc là. Donc on a gagné. On a gagné là. Pour le dernier combat, on a gagné. Donc en tout cas, j'espère que cette découverte de ce jeu JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez l'acheter, un lien est dans la description. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de la vidéo, en mettant un petit pouce vert. Donc si la vidéo vous a plu également, juste en dessous de la vidéo aussi également. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Et donc me rejoindre sur Facebook, Twitter et Twitch TV si vous voulez voir des lives de temps en temps. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis arigato, matane.